Yo tout le monde, c'est Wayland, on se retrouve sur No Man's Skies. Alors, lors du dernier épisode, on était reparti de la planète où on était. Et on est arrivé donc sur la station spatiale ici. Et du coup, on s'est amusé un peu à regarder un peu s'il n'y avait pas de l'antimatière, histoire de recharger un peu notre hyper-propulsion. Parce qu'en fait, on avait un souci... ça voulait pas fonctionner le passage en hyperpropulsion, donc j'espère que ce coup-ci ça va fonctionner. Ce serait bien, ça pourrait être sympa, parce que j'ai bien envie de me barrer de ce système solaire et de trouver un nouveau système solaire. Ça pourrait être sympa. Alors on va tester ça, moi je pense, hein. Allez, on repart directement. Voilà. Donc on pourrait où quand tu as visité les planètes de ce système solaire. Non. Il n'y a rien de scan intéressant à scanner du moins. C'est quoi ça? Ah oui, c'est des gros vaisseaux ça. Alors... Je vais... Oh purée! J'ai été un peu trop vite, je crois. Ah ouais, voilà. Ça, c'est les vaisseaux. Ouais, ça, en fait, ça sert à rien de les scanner, les gros vaisseaux. Mais personnellement, je vais éviter de m'y attaquer pour le moment. Alors bon, on va voir si on peut passer en hyperpropulsion. Ah ouais, ça a l'air de fonctionner. En fait, c'est juste que je m'étais trempé de touche. Voilà. Alors, ici, il y a 4 planètes, 2 lunes. D'accord. Donc, ça a été découvert par nous. Hop, ici, c'était quoi? Non, découverte. D'accord. Ajouter un point de passage. C'est Hades. Ok, ok, très bien. Par là, on retourne donc là où on était. D'accord, un peu. Non. Non, qu'est-ce que tu me fais en fait? Reste là. C'est bien ce que tu faisais. Voilà, merci. Reviens sur ta carte. Ok, donc là, c'est bon. C'est marrant qu'on puisse pas retrouver l'autre système solaire où on était. Voilà. Donc ici il y a une seule planète, donc ça vaut même pas le coup d'y aller. Quoi. Hop, ici il y a 2 planètes. Waouh, on va aller loin. Je vais éviter de le prendre. Une planète. 3 planètes, c'est déjà mieux. 3 planètes, une lune. Trop éloignée pour sauter. Bon. On va devoir aller donc sur celle-ci parce qu'il y a 3 donc planètes. C'est non découvert. Et ben moi je pense qu'on va aller ici. Allez. C'est parti. Mode hyperpropulsion enclenché. Allez go, c'est parti. Et on fait un nouveau saut. Ah, ça y en arrive. Système, ok. Oula. Oula, c'est quoi ce vaisseau? Fabriquer des cellules de distorsion pour l'hyperpropulsion. Oh, donc, il faut obtenir la recette de l'antimatière, fabriquer de l'antimatière et fabriquer des cellules de distorsion. Très bien. Donc du coup ici on a la station spatiale. Là on a des vaisseaux et après là on a des planètes. Du coup déjà en premier lieu je pense qu'on va aller à la station spatiale. Ça pourrait être intéressant. Et après on ira visiter quelques planètes. Bonjour le vaisseau.
On peut... Ah, on peut détruire le vaisseau. Ouais. Non, on va éviter. Allez. Ça pourrait être drôle, j'avoue, mais bon, je préfère éviter pour le moment. Allez. Ah d'accord, j'étais trop à proximité pour utiliser les pulsions réacteurs. Dommage. Allez. Ah, on arrive. Et on va atterrir. Voilà. Alors, point de restauration, c'est génial. Alors, du coup, là-haut de Toumer, c'est toujours la même porte, celle qu'on peut normalement pas aller. Allez. Par contre, j'ai malheureusement. Ah, je crois qu'on est encore chez les Corvax. Malheureusement. Je voulais sauter de planète exprès pour m'en aller et retrouver les Vikens. Comme on avait avant, c'était mieux. Enfin, je préférais moi, du moins. Et ben malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. Bonjour, monsieur le Corvax. Pas nouveau entité, chef des opérations, voyageur de l'Atlas. Corvax, énergie, ok. Les salutations lumineuses de la forme électrique. De la vie électronique ralentissent tout à coup. Ces lumières faciales se dilatent lorsqu'elles accèdent à ces données personnelles et ces systèmes internes plantent. Des colonnes de données indiquent que ces niveaux d'énergie chutent. La forme de vie électronique me demande de l'aide d'un regard, puis indique mes ressources d'un geste long et désespéré. Tu veux quoi? Donner de l'isotope commun. Ok. Donner de l'isotope peu commun. Attends, bah tu sais quoi? Je vais aller chercher du tamium. Je vais t'en donner du tamium, t'inquiète pas l'ami.
you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too.